Me voilà! Je sais, je suis indispensable à votre vie. Maintenant, vous avez envie de faire des DIY. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose de vraiment cool. Je construis une mini épicerie en bois, un petit marché tout cute pour ma fille parce que c'est bientôt sa fête. Elle va avoir un an déjà, fait que je me suis dit pourquoi pas lui créer un DIY, quelque chose que je pouvais lui faire moi-même, qui allait être utile maintenant et dans les années à venir. Fait que j'ai fait un petit dessin, un croquis que voici de mon meuble de bois. Fait que j'ai une bonne idée de qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel. Fait qu'aujourd'hui, je vais me rendre chez IKEA, chez Rona Réno Dépôt, dans un centre de rénovation pour aller chercher du bois, et chez Dollarama pour aller chercher des petits paniers puis des petits accessoires. C'est question que j'ai plus de choses à ramasser à la fin de la journée. Cute, cute! Chez Dollarama. J'ai finalement tout ce qu'il me faut. Fait qu'on va aller construire ça. En dedans. Parce que dehors, je commence à faire. Fait que je vais vous montrer le matériel que vous avez à... Fait que dans le fond, je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin pour la base de l'épicerie. Après ça, vous ajoutez les accessoires que vous voulez. Fait que ça va vous prendre des caissons comme ça de bois. Celui-là, c'est un caisson qui est déjà assemblé. Ce que j'aime pas de celui-là, c'est qu'il serait vraiment tout à assembler parce qu'il y a plein de petites pines de bois là, de pines, là, des pépites. C'est plus ou moins ce qu'on recherche. Alors, j'ai trouvé chez IKEA. C'est le même principe, c'est des caissons de bois avec du bois qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus beau à assembler. Ben oui, ils sont allés jusque-là, IKEA, faut que t'assembles tes propres caissons de bois. Et j'avais le choix entre sabler, assembler, j'aime beaucoup mieux assembler, crée-moi. On va avoir besoin de 4 caissons de bois comme ça. Ça nous prenait aussi des 2 par 1, de 2 grandeurs différentes. Ça va servir à venir mettre sur le dessus le petit toit. Puis finalement, en termes de bois, on va aussi avoir besoin de 2 morceaux de 3 pieds de long. L'épaisseur n'a pas d'importance. On va venir le visser sur nos 2 autres morceaux perpendiculaires pour venir finaliser le toit puis y apposer le tissu. Anyways, tous les matériaux que vous allez avoir besoin pour réaliser ce projet-là, toutes les choses que moi j'ai utilisées, que j'ai achetées, je les mets ici en bas dans la description de la vidéo pour vous faciliter la vie. Si vous avez vu mon haul de mes trouvailles de chez Dollarama que j'ai fait il y a quelques semaines, j'avais trouvé ce tissu-là. Puis je vais venir l'utiliser dans le fond pour faire... Ah, oh, crotte! Je suis en niaiseuse. Oui, c'est parce que l'autre jour, je l'ai coupé en me disant je vais faire un chemin de table que finalement j'ai coupé, mais j'ai pas utilisé comme chemin de table. Bref, ça prendrait un rouleau complet de tissu comme ça. On va avoir besoin de petits paniers comme ça que j'ai trouvé chez Dollarama. Il y avait plusieurs formats. Moi, j'ai choisi le format moyen qui était 2,50 et j'en ai pris 4. J'ai trouvé aussi, c'est un autocollant comme ça pour faire un tapon noir. Là, je me suis dit que ça serait parfait pour faire, tu sais, le tapis là, d'épicerie où est-ce que... C'était 4$ pour 2 gros morceaux comme ça. Fait qu'il va en rester. J'ai trouvé aussi une petite plaque comme ça, toujours chez Dollarama, de bois, pour venir mettre l'enseigne de l'épicerie. Jusqu'à maintenant, c'est pas mal ça, dans le fond, la base de l'épicerie. Après ça, tous les ajouts supplémentaires, ben c'est à votre guise. Moi, j'ai acheté plein d'autres choses pour rendre ça vraiment cute. Ben, je vais me mettre à l'assemblage, puis je vais vous montrer le produit final. Puis vous allez voir tout ce que j'ai ajouté de plus pour rendre ça un peu plus coloré et festif. Et je vais commencer par assembler mes caissons de chez IKEA. Je vais faire ça toute seule. Ça, je ne dirai pas à personne. Dites-le pas à personne. Fait qu'on va continuer. Maintenant qu'on a assemblé nos caissons, on va venir les attacher.
attacher ensemble avec des vis, des petites vis pour pas que ça dépasse de l'autre côté, que ce soit dangereux. 3/4 de pouce, ça devrait être suffisant. J'ai sablé mes bouts de bois. Dans le fond, vous pouvez voir aussi, j'en ai un qui mesure 46 pouces de long et celui-ci mesure 51 pouces. Ce que je vais venir faire, c'est mettre celui qui est plus long en avant et je vais venir visser ça sur nos caissons de bois. Je vous conseille, pour éviter d'abîmer votre bois, de venir faire un trou avant avec une mèche, comme ça pour être sûr que le bois ne craque pas sous la force. La bande ici en haut, parce que de toute façon on va venir bien frotter le tissu là-dessus. Fait que j'ai trouvé des mini vis, peut-être genre un demi-pouce, qu'on va venir visser ça. J'ai décidé de mettre du velcro pour attacher le tissu, pour la simple et unique raison que si jamais je veux changer de tissu, ça va être beaucoup plus facile que de venir le coller directement sur le bout de bois. Pour me faciliter la vie, je vais venir déjà mettre le côté féminin sur le côté masculin. Après ça, je vais pouvoir venir enlever la bande et coller sur mon tissu pour que ça soit bien droit.